Souvent dans l'arbre, un petit chat que venait de perdre sa mère l'adopta. Elle se trouve sa collerette, elle couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, le prenant pour sa mère, se mit à têter tout de goût. Et Margot la laissa faire, brave Margot. Un croquant passant dans la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde. Et le lendemain, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, résumer, c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur ordinaire se presse pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne ne reste l'aurait lu. Pour voir ça, Dieu le les pardonne, les enfants de cœur au milieu de saint sacrifice abandonnent leur saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballons, se laissaient toucher par le charme du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la coucoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot était simple et très sage, présumé c'était pour voir son chat. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent leur rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent du bâton, et farouches, ils immolèrent le chaton. La bergère après bien des larmes, pour se consoler prit à Marie. Elle ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passant sur le mémoire, on oublia l'événement. Sur le vieux raconte encore à leurs petits enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, la 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 la